Nacho, qu'est-ce que tu fais dans ma valise? Qu'est-ce que tu fais dans ma valise? Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses la préparer quand même? Je serai gentil. Bah oui. Eh oui. Pas sur ma vie, pas sur... Alors, on est arrivé à l'aéroport. Et voilà ce qu'on a remarqué, que ma valise est absolument explosée des deux côtés. Alors on a payé une fortune aux États-Unis. Merci. Je sais même pas si ça va arriver entier. Hein? C'est sympa, je vais devoir acheter une autre valise hein, au cas où si on sait pas où on est. C'est parti. Mon kiki. Et voilà, on a réussi à scotcher. Il y a un monsieur qui, vous savez, qui emballe toutes les valises là, qui nous l'a fait gratuitement. Franchement, la loose. Donc j'en achète une en arrivant là-bas demain matin. Ce soir c'est fermé clairement. Mais ouais, génial. Et voilà notre petit repas. Alors est-ce qu'on est des clochards? Ou bien on a acheté tout un sac de bouffe. Parce que clairement on a encore faim hein, et puis on va pas manger en arrivant. Voilà. On attend l'embarquement qui se fait d'ici peu. Ici. Donc voilà. Il n'y a pas grand monde dans l'avion, c'est un tout petit avion. ça bouge un peu, hein. Un petit peu. On va y arriver, hein. Valise, Laura qui est là-bas perdue dans les souvenirs, et on va aller prendre notre petit chauffeur privé vers là-bas. Ça y est, nous sommes arrivés. Bon, j'ai pas filmé dans le taxi parce que j'étais devant, donc c'était un peu bizarre. Donc on est arrivé, petit appartement très très bien. La femme était adorable, mais adorable, donc elle aura une très bonne note sur Airbnb. Laura qui est dead. Un beau petit lit. On a alors, à la base on devait avoir une vue, voilà, une petite vue sur le centre des sciences et culturelles là. Bah écoutez, je crois qu'il y a une petite construction qui bloque la vue. Mais alors légère construction. Donc voilà. Mais on est capoute mais grave parce que Laura elle a des petits problèmes aux oreilles dans les avions. Et moi, bah, je m'évanouis et je vomis, donc là, c'était pas... J'étais à deux doigts, donc c'était pas top top, mais bon. On va se reposer et puis voilà. Hey, coucou. Ne regardez pas ma tête, non. On n'a pas été bien du tout dans l'avion toutes les deux. C'est un peu difficile. Bon, il y avait 2h15 de vol, ça va. Mais là, c'est un peu capoute. Donc l'appart est super, franchement, moi par la vue qui est gâchée. L'ascenseur est franchement à voir. C'est très 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 vieux. Je vous filmerai ça demain. Donc voilà, demain on s'arrache. À 9h15 on prend le train pour Cracovie pour passer plus de temps là-bas. Puis après on reviendra sur Varsovie le dernier jour. Donc là en fait on est à côté de la gare des trains. Donc c'est vraiment juste une petite nuit comme ça, étape pour après partir à Cracovie. Et on reviendra donc sur Varsovie le dernier jour et on sera dans le centre cette fois-ci. Le peu qu'on en a vu pour le moment quand on était dans le taxi, bah, c'est très mignon, très typique, très historique. Le peu qu'on en a vu bien entendu. Et donc on vous dira ça. On est capote, on va se laver et on va dormir. Oui, à demain. Regardez la modernité du tram. Mais c'est mignon, hein, c'est typique comme ça. Tu filmes celui-là, c'est un tram. Tu filmes celui du fond. Ouais, au fond aussi, hein. C'est la même. Moi, j'avais même pas les bus. Les bus sont modernes, tu vois. Le tram,
Il laisse un peu à désirer. Ça, c'est ultra moderne aussi. Ouais, on n'en peut plus là. Franchement, on va se casser. On va partir, on va se préparer. Ça. Oh, je... Non, merci. Oh, je blindé, meuf. Non, merci. Ah oui, et puis en plus, bah, il va pleuvoir. Bien sûr. Bienvenue en Pologne. Regardez cette magnifique sonnerie moderne aussi. On est d'accord. C'est mignon. Est-ce qu'on parle de l'ascenseur? C'est trop long l'ascenseur. Est-ce qu'on en parle? Voilà, voilà. On va ouvrir ça, hein. Oui. Ouh, regardez, il arrive. Wow. Magnifique, vas-y. Wow. Eh, regardez, il y a même des petites portes avec à l'intérieur, tu vois. Deuxième porte à mettre. Ah, c'est sympa, on est pas trop serré. Vas-y, il faut fermer la porte. Et il faut fermer les autres portes aussi. Attends, ça, je crois que je gère pas encore. Faut fermer les autres portes. Voilà. Et attends, regarde la modernité des boutons. C'est quoi, 0? Attends, je suppose que c'est ça là. A. On ne saura jamais. T. Ok. Il démarre pas. On a réussi, hein. On a réussi, par contre, il s'arrête apparemment. Bah, on a vu hier soir brutalement. Accrochons-nous. On arrive au P. Allez, bonne chance à nous maintenant. C'est qui est en galère là? C'est nous, et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des photos alors qu'on va louper le train. Parce qu'on s'est paumé de fou. Mais on va y arriver, c'est tout droit. Allez, avec ma valise cassée. On a réussi. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej w wagonie barowym. Voilà ce qu'on a quand on est première classe. Oui. C'est quand même la classe. Bon, c'est un peu chelou, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, hein, pour un petit déj, ça ira. Regardez ce qu'on a eu. C'est apparemment pour se nettoyer les mains. On va essayer. Oh. Ouh là là. Ouh là là, ça fait peur. Comment ça marche, Laura? Oh, oh, c'est trop intelligent. Oh mais non. C'est trop intelligent ce truc là. Quoi? Le truc de pour se nettoyer les mains. Et après ça gonfle avec l'eau. Trop intelligent. Ok. Et c'est une petite serviette. Ça y est, on est arrivé. Et on va là-bas pour me trouver une valise. Ah parce que madame la clocharde est venue en voyage avec ma valise cassée. Avec ma valise cassée. C'est parti. Et après on va à l'appartement. Voilà, je l'ai perdu. Et j'ai trouvé une valise. Oui, elle l'a. Ouais. Magnifique. Premier Starbucks. Bien sûr. Est-ce qu'on galère pas trop? Est-ce qu'on galère pas? Est-ce qu'on galère pas, hein? En mode GPS, on sait même pas où on va. On se perd dans ces villes, c'est fou. On est arrivé. Je vous ferai l'appartement tour ce soir parce que clairement, voilà, on est dead et puis on va sortir. Et tu fais une tresse. Ouais, je vais y refaire une tresse. Hey, elle filme. Ça y est, on va au quartier juif pour manger et elle a parlé avec sa mère. Ouais, en FaceTime, s'il vous plaît. Nous arrivons sur la plaque Nowy, donc place Nowy. Donc, où nous allons manger des petites pizzas traditionnelles. Je vous mettrai le nom en polonais parce que je ne m'en rappelle plus. Et voilà, c'est trop trop chouchou. Regardez, je vais vous montrer. Donc en fait, c'est des demi-baguettes, on va dire, avec dessus ce qu'on veut. Et en général, donc c'est fromage et champignons imposés. Mais madame n'aime pas les champignons. Je n'aime pas les champignons. Donc elle... Elle est gentille, elle nous fait 100 champignons pour madame. Oui, c'est la meilleure à recommander. À recommander, voilà. Barocco. Trop canon, moi avec du bacon bien entendu. Et Laura avec du truc de raclette là. Et des saucisses. Attends. Et du ketchup par dessus bien entendu. Oui. Instagram. Regardez comme c'est beau. Depuis 90, c'est les artistes et les étudiants qui ont un petit peu envahi le quartier juif. Regardez. Et ça fait 700 ans que c'est un quartier juif.
Là, vous avez la vieille synagogue ici. Donc, c'est la plus vieille synagogue du quartier et qui, en fait, c'est une des rares à avoir un peu, si vous voulez, qui ressemble un peu à une forteresse. On peut voir. Regardez, il y a plein de petits tuk-tuk. Des petites voitures. Vous payez un petit peu, puis vous faites le tour du quartier juif. Bon, on va pas le faire, hein, clairement, mais c'est trop chouchou. Alors là, regardez, on arrive dans la synagogue. Donc, synagogue et cimetière Rému, donc une des rares encore en fonction. Vous pouvez voir, hop là. Vous avez derrière le cimetière, donc il date du 16e siècle. Mais il a été saccagé et rasé par les nazis en partie. Mais il a été rénové par la suite, juste derrière. Bon, nous voilà dans le cimetière. J'ai demandé, on peut prendre photos et vidéos. Bon, c'est délicat, mais... Donc, il y a des tombes qui datent de plus de 4 siècles. C'est... waouh. Regardez, par exemple, ici. Vous voyez qu'ils ont fait en métal, ça. Ça a été rénové après les destructions des nazis. Du quartier juif, c'était très bien. Il fait pas très 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 beau, mais bon, au moins on n'a pas de pluie. Il a pleuvioté vite fait, bien fait. Et ça a plu à Laura. Elle a fait quelques dépenses, pas beaucoup. Donc là, on va au château de Wawel. Le château quoi, de la ville. On va voir le dragon. On va acheter une peluche. Oui, on va acheter une peluche quoi. Et voilà, c'est tout. Et on va voir une église. Voilà, après la synagogue, on va voir l'église. Voilà, on arrive au château. Donc il date du 14e siècle. Et bien sûr, c'était la résidence royale. Je vais mieux vous montrer après. Ça, comme c'est magnifique. Waouh. Et il y a même les gouttières. C'est des dragons. Ça résonne de fou. Ah oui, c'est là la cour. Et là. On a trouvé le Hollywood Boulevard polonais. Magnifique, hein. J'en connais aucun. On les connaît bien en plus, hein. Oui, nous sommes faibles et on a froid. Ouais, un petit peu. Et ça va, c'est pas cher. Genre toi, ça devait être 4 euros, même pas. Non, 18, t'abuses toi aussi. Et moi 5. Toi, ça fait 5 euros? Ouais, et plus gros que ma tête. Ah bah moi, ça fait genre 3,50. Ouais. Voilà. Regardez ce qu'on a pris, c'est le bretzel polonais. Deux zlotys, ça fait quoi? Genre 50 centimes? Même pas. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce espèce de bretzel chelou? Bah c'est de la farine et de l'eau rassis.
avec des pavots, du pavot. Bon, ça passe, clairement. Ça passe pour 40 centimes. Mais je comprends pas trop l'engouement, mais bon, très bien. Donc là, nous sommes absolument, absolument dead. Il fait très froid en fait. Enfin, il fait très froid. Dès que le soleil commence un petit peu à descendre, c'est la fin. Donc là, on va essayer de trouver un petit supermarché pour acheter quelque chose. Parce que je pense que ce soir, on va manger dans l'appart, non? Je pense aussi. On est absolument capoute. Mais sinon, c'est cool. Ah oui, on voulait visiter l'église. Mais elle était fermée. Au lieu de fermer à 5h, ça a fermé à 3h. Très bien. C'est bien de regarder les horaires officiels et puis de pas les suivre. Voilà. Bon appétit. Je suis congelée. On va prendre un gâteau typique de l'Est. Regardez. Alors, on rentre des courses. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des raviolis typiques et pierogi. On vous en donnera des nouvelles. La sauce, bien sûr, qui va avec. Parmesan pour la couze. 3 Activia. Ouais. Hop. Et une banane. Et tout ça pour 7 euros. Je vous fais un petit appartement tour. Ne regardez pas le bordel. Non. On s'est étalé, hein, clairement. Donc vous avez la cuisine. Oui. Ici. Pas mal. Hop. La petite salle de bain. Ici. Voilà la douche. Toute simple, hein. Bon. Bon, une table un petit peu remplie. Hop. Ici, donc, vous avez le salon. Le canapé peut se transformer en lit, apparemment. Et... qu'est-ce qu'il y a en haut? On va voir ça, sans tomber. De préférence. Hop. Regardez comme c'est chouchou. Trop beau. Et les lumières qui sont quand même intéressantes. Hello. Nous sommes bien entrés. On est explosés. Vraiment. Je sais pas, toutes les deux quoi. Donc je pense qu'entre le vol, le train ce matin, le froid, enfin il a commencé à faire froid genre milieu d'après-midi, et juste la fatigue quoi, de marcher, de trimballer les valises, moi ma valise cassée, c'était une galère de fou. Mais c'était vraiment bien cet après-midi. Le quartier juif, c'est vraiment à voir, vraiment, bon, pas des heures hein, mais d'y faire un petit tour, se balader, c'est sympathique. Et le château, bon, malheureusement on n'a pas pu voir la cathédrale. Et c'est dommage parce que vraiment je voulais la voir. Apparemment il y avait un clocher, il y avait des criques, donc avec des tombeaux, tout ça. Pas très grave, c'est un peu décevant. Et aussi dans le château en fait on devait voir apparemment, bon pour ceux qui y croient bien sûr, il y a des 7 chakras de la terre cachés. Dans les souterrains du château, et en fait si vous voulez, donc dans le souterrain et hop tout au dessus le mur qui est connecté, donc beaucoup de personnes vont le toucher tout ça ou prendre des photos. Et là c'était aussi en travaux, il y avait pas mal de choses en travaux au château, donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'était quand même très beau hein, très très impressionnant. On a acheté un petit dragon. Parce qu'il faut savoir donc que les dragons, en fait, il y a une histoire comme quoi un dragon voulait détruire et manger, en fait, tuer plein d'humains de Cracovie. Et le roi de l'époque a demandé à ses deux fils de trouver un stratagème. Donc ils ont réussi à le tuer. Mais un des fils, en fait, était jaloux de l'autre et donc l'a tué en faisant croire que c'était le dragon qui l'avait tué. Vous voyez le truc. Les habitants l'ont découvert et donc l'ont renvoyé. Et on appelait Cracovie, en fait, comme le frère décédé qui s'appelait Cracus, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant et c'est devenu un petit peu l'emblème de la ville.
Vraiment, tout est pas cher. J'oublie de vous dire les prix à chaque fois, mais par exemple, le petit bretzel qu'on a pris, c'était 40 centimes. La demi-baguette pizza qu'on a mangée, 2 euros. Non, vraiment, c'est pas du tout cher. Les souvenirs non plus. Enfin, ça dépend. Genre, on a acheté des manettes quand même à 4 euros. Donc, vous vous dites, bon, tu peux manger 2 baguettes sandwich à ce prix-là. Donc, c'est relatif, mais c'est normal, hein, c'est pour les touristes. Donc, demain, nous allons à Auschwitz. Donc, bon, on va moins rigoler, clairement. On a 1h30 de bus aller, 1h30 de bus retour. Je suis fatiguée des transports en commun. Mais bon. D'ailleurs, pas cher non plus. Je vous mettrai la compagnie. Demain, je vous montrerai de toute façon. Donc, je ne filmerai pas, bien sûr, par respect. Tu peux plus sortir de la douche ? Très bien ! Tu me laisses de l'eau chaude ! Oh ! Laisse-moi de l'eau chaude ! Donc demain, je ne filmerai pas, mais je vous filmerai bien sûr les aventures. Laura, Laura, je filme. Et je ne couperai pas. Donc je vous filmerai quand même, voilà, le trajet en bus, etc. Je vous parlerai de ce qu'on a ressenti. Je vous montrerai peut-être juste l'arrivée, le portail, etc. Mais voilà. Sur ce, j'espère aller me laver. Ah, allez, Laura cuisine. Attention, attention. Dans l'eau qui ne boue pas depuis une demi-heure. Non, 40 minutes. Oh, le danger. Oh, hop, hop, hop. Ok. Un petit peu d'eau pas chaude sur nous. Et c'est parti. Tu peux m'aider, tu penses? Tu veux quoi? Putain, je suis en galère là. Attends. Tu veux que je t'aide à quoi? Ben, à vider l'eau, non, ça va. Sans pas toi, ça me dégage. On va manger quoi? Oh, des pierogi là, pion. Avec une sauce quoi? Oh non, une sauce au poivron. Au poivron. C'est pas trop mal, non? C'est fait avec amour. Ou pas? Oh, bon alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Pas trop mal. Bon, il en reste un petit peu. Hein. Les meilleurs sont pour Laura. Ricotta et moi, poulet. Non, dis pas poulet, dis viande, parce qu'on sait ouais, pas ce que c'est. Viande incertaine. Ouais. Mais on se plaint pas. On se plaint pas.